Oui. Okay. Merci, Monsieur le Président. Donc, j'ai l'avantage de reprendre ma plaidoirie à la suite des propos liminaires que j'ai eu à prononcer. Et ma tâche consistera essentiellement à répondre aux arguments de la défense. Et ce qui revient le plus à travers soit les écrits de la défense, soit de certains qui suivent ce procès, c'est de savoir est-ce que des preuves de la culpabilité de l'accusé ont été rapportées. Tout à l'heure, mon confrère Alain vous a dit, qui est un spécialiste de la justice pénale internationale, qui vous a dit que jamais dans l'histoire de la justice pénale, autant de modes de responsabilité n'ont pu être démontrés par rapport à une casuistique, par rapport à un cas. Donc, en ce qui concerne M. Issenabré, vous avez déjà l'aspect planification. Cet aspect pour lequel exclusivement des personnes ont été condamnées pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Mais vous avez en plus l'aspect opérationnel, ce qui, évidemment, permet de soutenir l'entreprise criminelle, commune criminelle, puisque, étant planificateur, il a mis les moyens, et j'y reviendrai, d'atteindre ses objectifs, même s'il s'est servi de personnes, des agents subalternes ou de collaborateurs. Mais vous avez également la responsabilité du hiérarchique, puisque à tout moment, il pouvait dire halte, parce que tout dépend de lui. C'est la clé de voûte des institutions, c'est lui qui a mis en place un appareil destiné à commettre exclusivement des crimes, même s'il n'agissait pas à titre personnel, à tout moment, il peut dire halte. Donc, de ce point de vue, la Cour n'aura aucun problème. Du point de vue de l'aspect planification, conceptualisation, du point de vue de l'aspect opérationnalité, responsabilité directe et personnelle, et du point de vue de la responsabilité hiérarchique. Mais ce que nous avons en plus par rapport aux autres affaires que les tribunaux ad hoc ou même la Cour pénale internationale a eu à connaître, c'est que vous avez des preuves, et ces preuves sont variées. Et vous avez surtout des pièces à conviction. Et ça, c'est rare en matière de justice pénale internationale d'avoir des pièces à conviction. Généralement, on a des témoignages. Généralement, on a des déclarations des victimes. Mais avoir des preuves et même des aveux, on l'a dit hier, je suis coupable, mais je ne suis pas le seul. Pourquoi les autres n'ont pas été jugés? Le procès est inéquitable. Parce que d'autres n'ont pas été jugés, parce que l'État du Tchad n'a pas livré, parce que Idriss Déby n'est pas là, mais on ne dit pas que je n'ai rien fait. Et d'autre part, les pièces à conviction. Il est important que ceux qui suivent ce procès sachent que les documents que nous versons, les documents qui figurent dans le dossier, et quand nous plaidons, on parle de cotes. Mais ce sont les propres documents de la DDS. La DDS était organisée de telle sorte que quand il y avait arrestation, la DDS dit arrestation. Ça dit que c'est des documents à travers lesquels la DDS dit que tel jour, il y a eu 100 arrestations. Tel jour, il y a 50 décès. Tel jour, il y a déportation. Tel jour, il y a des prisonniers de guerre qui ont été déportés.
Et c'est ce qu'on appelle pièce à conviction. Un juge qui cherche la culpabilité, il a des documents parce que personne ne conteste. Et on l'a dit ici, même au moment de l'enquête préliminaire, que Moussa Hissène Habré était quelqu'un d'organisé, quelqu'un d'étatique. Il est sorti d'une haute école administrative à Paris. Donc, si vous prenez même l'exemple de Demba Gaye, pourquoi avons-nous su que Demba Gaye, sénégalais, est décédé? Parce qu'en fouillant dans les archives de la DDS, on a trouvé un certificat de décès. Demba Gaye, sénégalais, mort d'une dysenterie amibienne. Mais ça, ce sont les documents de la DDS. Nous ne les avons pas fabriqués. Ça dit que on ne peut pas dire on est en train de juger quelqu'un, on n'a pas de preuves. Or, les éléments pour lesquels, les éléments que nous opposons à l'accusé émanent même de l'organe et des membres de l'entreprise que l'accusé lui-même a mise en place. Donc, ce sont des pièces à conviction. Ça, un. Vous avez des témoignages. Les témoignages, c'est des personnes qui ont comparu à la barre et qui vous ont dit comment elles ont été torturées. Comment un mari a perdu son épouse ou ses enfants. Comment une épouse a perdu son mari. Comment une personne a été torturée. Et tout ça, c'est ça ce qu'on appelle des preuves. Et la responsabilité hiérarchique, évidemment, l'abstention, c'est le fait de n'avoir pas mis terme alors que vous saviez que telle chose se commettait, alors que vous aviez les pouvoirs d'arrêter, vous n'avez pas arrêté. Donc, de quelques aspects qu'on se situe, vous avez aujourd'hui ce qu'aucun juge n'a jamais eu en matière de justice pénale internationale. Et l'actualité le démontre, on suit un procès qui se tient actuellement à la haie, tout le monde sait les critiques, mais aujourd'hui, nous savons que dans ce dossier, vous avez les coups de frange du point de vue juridique, parce que tout vous a été donné. Et j'y reviendrai tout à l'heure en illustrant mes propos. Et la défense avait d'emblée soulevé la nullité de l'information. C'est vrai que la défense n'a pas repris dans son mémoire les arguments qu'il avait développés. Mais là, je pense que le parquet général et nous-mêmes avions déjà à l'époque suffisamment répondu pour dire que au terme du code de procédure pénale sénégalais, les seules causes de nullité étaient circonscrites aux articles 164 et 166 du code de procédure pénale. Donc, c'est les dispositions prescrites aux articles 101 et 105 qui doivent être observées à peine de nullité au moment de l'inculpation. Et ça, je pense que ça ne pose aucun problème. Les juges ont respecté ces dispositions des articles 101 et 105. Les autres dispositions, c'est les articles 166 du Code de procédure pénale, évidemment, qui sont des dispositions substantielles et qui sont visées à l'article 164, et notamment en cas de violation des droits de la défense. En dehors de cela, la défense a parlé des questions de fond qui ne peuvent pas être considérées comme des exceptions. La question de la qualification, le fait que les autres co-accusés de Habré n'ont pas été renvoyés, il a été suffisamment démontré qu'à l'absence d'une inculpation, on ne peut pas renvoyer une personne qui n'a pas été inculpée, même si on retient l'entreprise criminelle comme une criminelle, dès lors que les juges n'ont pas pu accéder à ces personnes, qu'ils n'ont pas des procès-verbaux de recherche infructueuse et qu'ils n'ont pas pu inculper, ils ne pouvaient pas renvoyer ces personnes. Mais cela n'exonère en rien la participation personnelle de M. Habré dans l'entreprise comme une criminelle. Et ça, je pense que c'est un argument de fond, mais à toute fin utile, Monsieur le Président, Monsieur de la Cour, nous tenions à vous rappeler les arguments que nous avions développés relativement à ces exceptions. Maintenant, vous avez le mot-clé de la défense, vacuité de l'accusation. Vacuité de l'accusation, aucune preuve n'a été fournie. Ça, c'est pour résumer l'argument massu de la défense. J'y reviendrai notamment sur les points particuliers, mais si le droit de ne pas s'auto-inculper, le droit international, même le droit interne sénégalais, reconnaît à tout accusé de ne pas s'auto-inculper, mais quand il y a des charges, quand il y a des éléments qui ont été discutés à la barre, la défense se doit au moins de s'auto-disculper.
Comment s'auto-disculper? C'est au moins dire au juge, c'est vrai qu'on a parlé de telle chose ici, mais ce n'est pas un moyen de culpabilisation, mais c'est ce qu'on n'a pas perçu à travers le mémoire de défense. Je vous donne des exemples. Dans les écrits de la défense, on vous dit qu'il y avait rupture dans la chaîne de commandement. Mais tout le monde sait qu'à partir de 1986, M. Abré était devenu ministre de la Défense. Il n'était plus simplement chef d'État et en cela chef suprême des armées, mais il était ministre de la Défense. Ça dit que tous les ordres partaient de lui en qualité de ministre de la Défense. Ça dit que c'est lui qui commandait, même le chef d'État-major. Et ça, on n'a pas vu dans les moyens de disculpation comment, même si on fait abstraction de sa qualité de chef suprême des armées en tant que président de la République, on ne dit rien sur ça. On a parlé aussi des coups de téléphone que Abré avait donné le 1er avril 89 en direction de la DDS. Ça a été discuté ici. Si vous dites que Abré, la responsabilité personnelle de Abré n'a pas été démontrée, mais au moins sur ces coups de fil, qui semblent être le point de départ de cette vague répressive des Agawa à partir du 1er avril 89, au moins, on aurait souhaité que dans les écrits, la défense nous explique ou s'explique sur ces coups de fil, mais on ne voit rien dans les arguments de la défense. La présence de Abré lors de la bataille de Faye-Largeau et sa présence au niveau de l'aéroport de Faye-Largeau où il aurait donné ou dit des mots qui ont été rapportés, là également, on ne voit rien dans les écrits de la défense. Pourquoi Abré était à Faye-Largeau? Pourquoi était-il à l'aéroport? A-t-il dit que ce sont ces jeunes qui nous ont fait chier? Et faites des Tchadiens ceci, faites des étrangers ceci. Là, rien n'apparaît dans les écrits de la défense. Il y a la lettre, le manuscrit de M. Abré, c'est la lettre, c'est les visites du CSR, qui a été rapporté par mon confrère Lambi, où, évidemment, Abré a donné des instructions. Quand un juge d'instruction cherche des preuves, vous avez un manuscrit qui est imputé à M. Hissène Abré. Mais les juges d'instruction, dans leur quête d'instruction à Sarge et à Desarge, parce que les juges auraient pu se limiter à ce manuscrit. Mais les juges ont dit non, nous allons ordonner une expertise holographe. Et l'expert révèle que les écrits manuscrits émanent de M. Hissène Abré. Et ça, quand vous dites que personne ne sorte plus vivant, des propos aussi graves qui engagent la responsabilité pénale directe et qu'un expert conclut à la paternité de ces écrits par rapport à l'accusé, mais la défense ne dit rien, se contente de dire on n'a pas rapporté de preuves. Mais ça, c'est des choses sur lesquelles on aurait aimé que la défense puisse débattre au cours de ses plaidoiries. Et vous avez aussi, sur le défilé des prisonniers,
des combattants qui combattent le régime de Mouré. Mais vous leur dites déposer les armes. On va négocier. On va vous reverser. On les consigne au niveau d'un centre étatique, un centre appartenant à l'État du Tchad. On les rassemble au milieu et on les tue sans armes. Mais c'est un crime de guerre. Si vous êtes poursuivi pour crime de guerre, la personne inoffensive, désarmée, à qui vous tendez un piège, qui est devenu inoffensive, cette personne, vous l'exécutez. Mais si vous êtes poursuivi pour crime de guerre, vous avez obligation de vous disculper. Et c'est des exemples à l'infini qu'on peut vous citer. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il appartient au procureur général d'apporter la preuve de la culpabilité, mais également, si vous avez des éléments de preuve ou de charges comme ça et que vous n'arrivez pas à les démonter, c'est parce que vous-même, vous avouez votre culpabilité. Et je disais que je reviendrai sur les arguments particuliers de la défense. Et la première chose qu'on vous dit, Monsieur le Président, Monsieur de la Cour, c'est qu'il n'y a pas eu d'attaque généralisée contre les populations civiles. Et ça, c'est pour démonter la thèse du crime contre l'humanité. Évidemment, on convient qu'en matière de crime contre l'humanité, on ne peut pas invoquer des actes individuels. On ne peut pas invoquer des actes isolés. Ça dit qu'on ne peut pas dire qu'on a tué quelqu'un à Ngalo, on a tué quelqu'un à N'Djamena. On a deux cas, c'est un crime contre l'humanité. Et ça, c'est extrêmement important. L'essence du crime contre l'humanité, c'est d'abord l'aspect planification. Parce que c'est des crimes qui, de par leur importance, ne peuvent être commis que dans le cadre de l'application ou de l'exécution d'une politique d'État ou d'une organisation ayant pour but l'accomplissement de cette mission. Et ça, c'est extrêmement important. Et ça, c'est tout ce que nous avons dit dès le départ dans nos conclusions. On n'a jamais dit, parler de planification qui serait aérienne, ex nihilo. Nous avons dit que l'objectif de M. Abré, quand il est venu au pouvoir, c'est l'anéantissement de toute vérité d'opposition ou de toute opposition, fondée ou non. Et ça, c'est important. L'objectif, déjà, est là. Il a un objectif déterminé, anéantir toute frange de la population, parce qu'il faut aller vers l'aspect population civile. Il ne s'agit pas de s'attaquer à des codos ou à des combattants. Nous sommes dans un cadre d'une politique générale. Il faut entendre par anéantissement l'enseignant qu'on suppose, qu'on soupçonne d'être un ennemi de M. Abré, le prêtre qui est à l'église, le paysan qui est là, le cadre militaire, le magistrat, on vous a parlé des procureurs qui ont été tués, des magistrats. Donc nous sommes dans le cadre de la globalisation de la population. Donc vous avez un objectif et vous n'avez pas de limite par rapport à l'anéantissement. Et donc nous sommes dans le cadre de la politique déterminée. Pourquoi dans le cadre d'une action étatique? Parce qu'on prend un décret pour dire j'institue une centrale de renseignement qui, en raison de ses missions confidentielles, est rattachée à la présidence de la République. Donc nous sommes dans la matérialisation de ce que la jurisprudence pose comme conditionnalité de la matérialité du crime contre l'humanité. Vous définissez une politique, c'est l'anéantissement. Vous vous donnez les moyens de par l'État, vous prenez un décret et vous donnez des missions précises à cette institution. Et je ne vais pas vous lire, évidemment, tout le contenu de l'article 4, mais simplement les deux derniers alinéas par rapport aux missions de la DDS. Donc, la DDS a pour mission, entre autres, la collaboration à la répression. Ça, c'est le terme de la DDS. Collaboration à la répression. Donc, c'est un État qui est supposé être un État de droit qui, déjà, sans instituer ou passer par la voie judiciaire, institue une voie parallèle de répression. Imaginez aujourd'hui au Sénégal,
On dit la division des investigations criminelles et ainsi de suite. Et elle a des missions parallèles au procureur de la République. Elle a des missions parallèles aux tribunaux. Et elle a des missions parallèles à la police régulière. Elle a des missions parallèles à la gendarmerie nationale. Et elle a pour vocation de participer à la collaborer à la répression par l'établissement des dossiers concernant des individus, des groupements, des collectivités suspectés d'activités contraires ou seulement nuisibles à l'intérêt général. Et c'est vous qui appréciez de ce qui est nuisible à l'intérêt général. Ce n'est pas un juge qui apprécie. Donc, schématiquement, Monsieur le Président, la jurisprudence exige d'abord que nous devons être dans le cadre de l'application ou l'exécution d'une politique définie dans le cadre étatique ou d'une organisation quelconque et ayant pour cible des populations civiles. Et ça résulte même une extinction de la DDS. Donc aujourd'hui, nous ne faisons rien qu'apposer ou en tout cas rendre opposé à M. Hissène Habré ses propres faits et ses propres actes, c'est lui qui crée. Et on l'a dit, Alain vous a dit tout à l'heure, on n'a pas créé la DDS pour donner du bonbon aux populations de Thiès. Pourquoi on l'a créé? Arrêté en dehors du système judiciaire, torturé pour faire le mal ou obtenir des aveux, détenir aux fins d'extermination, et le mot d'extermination équivaut à rendre la mort de façon lentement. Et si vous devez libérer par extraordinaire, c'est simplement en échange dans un cadre de prisonnier politique. Autrement, la personne doit décéder en détention. Donc, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans le cadre, simplement pour le moment, du crime contre l'humanité. On ne voudrait pas que demain, des gens nous disent qu'on n'a pas rapporté la preuve. Nous sommes obligés d'aller au détail près. Aujourd'hui, pourquoi il y a crime contre l'humanité? Il y a l'entreprise criminelle qui est là. C'est une conception en vue d'anéantir. Et on parle de groupement, on parle de tous les segments de la population. Donc, attaque contre les populations civiles. D'or comme en dehors. Et ça ne se limitait pas à N'Djamena, parce qu'il résolut le décret que toute personne étant sur le territoire tchadien ou en dehors. Et vous avez l'exemple de l'hôtesse Kaltouma Defala. Kaltouma Defala était une hôtesse de la compagnie Air Afrique. On l'a soupçonné à un certain moment de l'exacerbation de la répression contre les Adjaraï qu'elle pouvait transmettre des lettres ou bien en tout cas servir de relais à des communications parce qu'elle voyageait partout à travers l'Afrique. Et on l'a interceptée alors qu'elle était en escale à l'aéroport de N'Djamena et avec sa tenue d'hôtesse, elle a été gardée pendant 2 ans avec sa tenue d'hôtesse. Des tenues élégantes qui se changent par journée. On l'a laissée pendant 2 ans avec cette tenue en détention avant d'être déportée à Ouagadougou. Donc, pour vous dire, et ça, c'est des exemples qu'on multiplie à l'infini. Certains ont été traqués à Cotonou, d'autres au Nigeria, en Centrafrique. La DDS, on l'a dit, avait ses tentacules partout au niveau du Tchad, mais à l'étranger également, elle avait des bureaux opérationnels. Donc, aujourd'hui, quand on parle de crimes contre l'humanité, vous avez vraiment des éléments constitutifs. On vous parle de viol, d'esclavage sexuel, on vous parle d'homicide volontaire, on vous parle de déportation, on vous parle d'extermination, on vous parle d'esclavage, on vous parle de torture. Mais ce qu'il faut savoir, il suffit simplement qu'un de ces éléments soit constitué pour que le juge puisse entrer en voie de condamnation. C'est-à-dire vous n'avez pas besoin d'avoir un cumul de ces éléments constitutifs. Certains ont été condamnés de par la jurisprudence internationale en matière de justice pénale, simplement parce qu'un de ces éléments est constitué. C'est-à-dire aujourd'hui, le seul fait de se fier aux documents de la DDS qui attestent de par les fiches qu'il y a eu des milliers de morts,
Je ne parle même pas de la commission d'enquête nationale, parce que là, on peut même contester. Mais les documents qui émanent de la DDS établissent des fiches de mortalité quotidienne. Et ce taux de mortalité atteignait 7 détenus par jour. Donc, si vous faites le cumul pendant ces 8 ans, le président de la commission a fait un ratio très modeste. Il a parlé, il a fait une moyenne très modeste pour aboutir à 40 morts. Mais même si on se rapportait aux fiches journalières de la DDS, on serait à plus de 40 000 morts. Sans compter les morts qui sont dans le Lagone, dans le Chari, qui n'ont pas pu être comptabilisés. Et donc, si on s'en tenait seulement à l'homicide volontaire, vous avez l'élément d'homicide volontaire qui est constitué et qui peut aujourd'hui ouvrir droit à la culpabilité pour crime contre l'humanité. Mais les juges ne se sont pas limités à ça. Les juges d'instruction se sont dit, nous sommes des juges. Si on retient, de par même les documents de la DDS, qui sont certes opposables à M. Hissène Habré, on peut nous dire demain que vous n'avez pas fait des investigations. Nous allons commettre un expert pour déterminer le taux de mortalité. Et ça, c'est à l'honneur des juges. Et l'expert vous dit, les conclusions sont là, versées dans le dossier, le taux de mortalité est de loin supérieur à celui qu'on a noté dans les prisons nazies pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et mon confrère Bautier vous a rappelé les conclusions de l'expert tout à l'heure. Donc, voyez que ce procès n'est pas un procès de l'imaginaire. C'est des preuves. Ce que je dis aujourd'hui, c'est des preuves. Comment établir qu'il y a des meurtres en série, des meurtres réitérés? Vous avez le nombre qui a été donné par la Commission nationale. Vous avez les propres documents de la DDS qui établissaient les taux de le nombre de morts par jour. Vous avez l'expertise qui a été produite et qui prouve le taux de mortalité. Mais s'il n'y a pas de crime contre l'humanité de par l'homicide volontaire, il n'y aurait jamais de crime contre l'humanité. Et ça, c'est un élément. Mais la particularité, c'est que tous les éléments définis par les statuts se trouvent réunis. Ça dit que là, vous avez, je ne dis même pas un élément qui permet de constituer le crime, mais tous les éléments. Si l'on s'en réfère au viol, mais ce que ces dames ont raconté ici, et ceci n'est que de la rationalité des militaires qui sont à Ouadidoum, des militaires qui sont restés au front pendant des années, qui ne sont pas avec leur épouse. Vous leur envoyez 9 jeunes belles filles, mais comment voulez-vous qu'on les regarde la nuit? Comment voulez-vous qu'on les regarde ou qu'on les caresse? Et c'est la même chose à Calaïd. Et je ne parle même pas des viols au sein de la DDS. Khadija Rouge, Fatima Sakini, les enfants qui portaient les noms des geôliers. Mais, donc vous avez le meurtre, les meurtres qui sont établis, les viols, les déportations. Un autre élément constitutif du crime contre l'humanité. Mais Ouadidoum est là. La déportation est définie comme étant le fait de déplacer une personne contre sa volonté vers un autre endroit à des fins qui ne se justifient pas. Un bonjour, on est venu prendre ces dames pour vous dire, préparez-vous, on vous déporte. Calaïd, et vous avez Romé, ce pilote qu'on a déporté à la grotte où était détenue Mme Clos, l'otage de M. Hissène Habré, dans une grotte. Un autre cas de déportation. Et quand M. Romé est revenu, mais il ressemblait à un animal. Il avait les cheveux partout. Et son fils est accouru vers sa maman pour lui dire, il y a un fou qui est là. Maman, il y a un fou. Parce qu'il sortait d'une grotte où, nonobstant les radars, les drones, personne n'a pu repérer Mme Clos. Parce que, étant stratège, M. Hissène Habré avait choisi un endroit insoupçonné, insoupçonnable, où vous n'avez que des termites, des serpents. Et comment peut-on soumettre une personne à une telle condition? Et on nous dit qu'il n'y a pas de déportation. L'extermination, je l'ai dit, les conditions de détention, cette mort lente, Adoun qui est devenu un bébé, vous dit qu'il aurait suffi un seul jour. Si le MPS n'était pas arrivé, ou de
quelques heures se sont passées avant que la MPS n'arrivât, j'étais mort. Zakaria Fadoul. Il aurait fallu 2 jours de plus. Cette mort lente à laquelle on soumettait les détenus. Et on vous dit qu'il n'y a pas extermination. Torture, autre élément constitutif du crime contre l'humanité. Cette équipe. Moi-même, la nuit, je me surprends en train de répéter Issa Araway. Bidon, Mohamed, Berdey, Abba Moussa, mais je suis comme traumatisé, moi qui ne suis même pas victime. Ces noms me sont familiers. La 404 Baché. Alors que je n'ai pas vécu cette histoire du Tchad, mais à force de travailler dans ce dossier, je connais cette équipe de tortionnaires comparable à celle des goulags, des nazis. A-t-on le droit d'avoir formé cette équipe d'êtres qui n'avaient plus de sentimentalité, qui étaient devenus des bêtes humaines? La seule évocation du nom de Issa Araway faisait sortir des cheveux sur ces détenus. Vous avez une équipe de tortionnaires, vous avez des prisons et des centres de torture, aussi bien à la présidence qu'à la DDS, qui étaient aménagés à cette fin, et vous avez toutes les formes de torture. Arbatachar, les deux baguettes, ingurgitation d'eau fraîche, la peau d'échappement, l'électrocution. Mais tout ça, vous avez tout ça et vous dites qu'il n'y a pas eu torture. La défense vous dit que la torture n'a pas été prouvée. On prouve que c'était une politique systématique. La torture érigée en pratique gouvernementale. Si vous étiez soupçonné d'être de peau claire, il fallait vous torturer. Vous êtes Libyen, Gambier. Dès qu'on l'a présenté à M. Issena Bré, direction. C'est Issena Bré, direction. La DDS. Et dès qu'il arrive, vous êtes Libyen. Où êtes-vous? Quel est votre plan? Quel endroit avez-vous choisi d'attaquer au Tchad? Une paranoïa. Mais je suis Tchadien. Gambier vous dit, je suis Tchadien. Cap, on frappe. Et on ose aujourd'hui venir vous dire qu'il n'y a pas torture. Ouchibien, voilà la réalité de ce dossier. Nous vous avons tout livré parce que nous avons travaillé dans ce dossier pendant des années. Modestement pour certains d'entre nous et plus longuement pour les autres, les Tchadiens, les Boutiers qui sont là. Et ça, c'était seulement pour vous démontrer pour le crime contre l'humanité. Crime de torture sous-jacent au crime contre l'humanité, mais crime autonome qui vous est soumis également. Crime de guerre. On n'a pas prouvé crime de guerre. Mais je vous ai parlé de délit. Je vous ai parlé de 150 prisonniers enlevés, alors qu'on les a rassemblés dans la cour de la prison, enlevés et exécutés à Ambing. Et le témoignage d'un survivant est là. Mais il y a les conditions de détention, la négation des droits de ces détenus. Et M. Gambier vous a dit qu'au niveau de la cellule C, on a amené un jour plus de 400 détenus politiques. Et on les a aspergés, une sorte de gaz. Ils ont commencé à suffoquer. Et après une minute, c'était le silence total. Ils sont tous morts. C'est lui qui l'a déclaré. Donc on n'achève pas achevé au sens où le prisonnier est déjà blessé, on l'achève, ce qui s'est passé pendant les deux guerres mondiales. Mais des personnes qui ont été enlevées, arrêtées en bonne santé, qu'on a soumis à des conditions de détention qui pouvaient aboutir à leur mort, mais exécutées froidement. Donc, vous avez ces trois crimes qui sont largement prouvés. Et de grâce qu'on ne nous dise plus que nous n'avons pas apporté la preuve. Si cela, laissons les bourreaux tuer les civils. Laissons les populations à leurs bourreaux. Si après tout cela, on n'a pas apporté de preuve, mais il n'y aura jamais de preuve. Et ça, ce sont les documents de la DDS. Les morts, les arrestations. Arrestations arbitraires, s'entend, comme le fait de porter atteinte à une liberté sans aucune base juridique ni judiciaire. Est-ce que la DDS avait un pouvoir judiciaire? Est-ce que la DDS était une police régulière? Qu'on nous réponde à cette question. Et on vous dit
que M. Issanabré avait délégué ses pouvoirs. Heureusement qu'on a retrouvé même un chauffeur qui a été nommé par M. Issanabré, par décret. Et vous l'avez dans le dossier. Et vous avez également les témoignages, même des RSA qui a été cité par la défense, qui vous a dit, quand on a arrêté un parent étudiant, je suis allé intervenir, on m'a dit que seul M. Issanabré pouvait ordonner. On vous a longuement parlé de l'intervention diplomatique sénégalaise quand M. Abdourahmane Gaye ici a été arrêté. Le ministre de l'Intérieur a dit, il a cherché d'abord, il n'a pas vu, parce que lui, il regardait au niveau des prisons régulières, on n'a pas vu trace des Sénégalais. Et quand il est revenu, le président Diouf a insisté, il est bien détenu. Il est allé se renseigner à la DDS, mais il est revenu pour dire, la DDS, c'est la chasse gardée de M. Abré, en tant que ministre de l'Intérieur. Donc aujourd'hui, je ne crois pas qu'on aura aujourd'hui la force de venir vous dire, oui, Abré ne savait rien, c'est le ministre de l'Intérieur qui était la tutelle de la DDS. Donc, M. Bien, voilà. Crime, attaque généralisée contre les populations, preuve des actes de torture. Et le comble a été de dire que les déportations se justifiaient. La défense ne conteste pas les déportations, mais elle dit que les déportations se justifiaient par nécessité de service. Et ça, ce sont les écrits de la défense. Est-ce que ces dames étaient sous service? Étaient-elles fonctionnaires? Elles n'ont pas été jugées? Elles n'ont pas été condamnées? Oui, nécessité de service. Quel service? Service de nuit? Pour des soldats affamés? Oui, on est d'accord. On vous parle de témoignages qui ne seraient pas crédibles. Et M. Ben, là aussi, nous avons une longue jurisprudence à la matière. En matière de justice pénale internationale, d'abord, il faut savoir qu'il y a généralement un décalage entre la date de commission des faits et la date de jugement. Ça, c'est surtout pour les tribunaux qui ont été créés a posteriori. C'est-à-dire créés après pour réprimer des faits commis des années auparavant. Et les juges, que ce soit au niveau du TPR, et la jurisprudence de façon générale, là, j'ai une décision de la chambre de première instance au TPR et qui dit clairement que les témoins ont vécu des situations par essence traumatisantes et on ne peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles se souviennent dans les moindres détails des incidents qu'elles décrivent comme l'enchaînement des faits ou les dates et heures exactes. Le fait que les témoins ont été détenus pendant des semaines voire des mois, sans avoir une idée de la date ou de l'heure, faute d'horloge à leur portée, et sans avoir la possibilité de consigner par écrit leurs expériences, ne rend que plus difficile la rémémoration ultérieure de ces faits. Et la Chambre dit, elle n'a pas considéré que les discordances mineures qu'elle pouvait relever entre les dépositions de différents témoins et entre la déposition à l'audience d'un témoin donné et ses déclarations préalables discréditent ces témoignages dès lors que l'essentiel des faits incriminés était relaté avec suffisamment de précision. Donc, ce n'est pas parce qu'un témoin s'est trompé sur une date ou quelque chose qu'on va discréditer. Dès lors que l'essentiel des faits était relaté, les contradictions mineures ne peuvent pas discréditer un témoignage. Et ça, tous les juristes en matière de justice pénale internationale, tous les acteurs sont au courant de cette jurisprudence. On a aussi tenté, évidemment, de discréditer le rapport de la commission d'enquête nationale, mais notre plainte n'est pas fondamentalement nous basée sur le rapport de la commission. Ça dit qu'aujourd'hui, on ne demande pas à votre chambre de condamner M. Issanabré, c'est la base de la chambre, du rapport de la commission nationale, qui est un élément parmi d'autres. Mais vous avez des pièces à conviction qui émanent de la DDS de M. Issanabré qui sont hautement plus déterminantes que ce rapport.
Ce rapport est exhaustif, composé d'hommes honnêtes de toutes les sphères de la société civile tchadienne. Mais vous avez d'autres éléments. Donc aujourd'hui, dire que ce rapport ou ce que Olivier Berkou, quelqu'un d'honnête, a fait, ce n'est pas ça. Aujourd'hui, il s'agit d'asseoir votre conviction de par tous les éléments du dossier. Les insiders, les déclarations de Younous Salé, Ababacar Torbo, les insiders, mais vous les avez dans le dossier. Et tout le monde vous dit que tout remontait à M. Hissène Habré et tout redescendait de M. Hissène Habré. M. Alain, mon confrère, vous a parlé des ordres directs exécutés. Annotation exécutée. Maître Jacqueline vous a parlé de Rose. En désespoir, le rapport de la DDS disait, nonobstant la longueur de la détention, elle ne s'est pas assagie. La seule solution nous semble être point de suspension. La suite, exécutée. Elle a été exécutée. Pioche, pelle, dans la 4-4 bâchée, Abba Moussa, Amaral Gouz, c'est aussi simple. Ça, c'est des ordres directs exécutés, libérés, elle, avec le serment. Ça, c'est des ordres. Ça, c'est pas des choses. Donc, M. Ba, pour vous dire que dans ce dossier, tout a été rabâché. Et vous avez l'expertise de M. Tanaka, vous avez le rapport de mortalité. Et vous avez un certain nombre de faits, M. Bian, qui heurtent la conscience. Et je vous ai parlé tout à l'heure des Sénégalais. J'ai ici le rapport de l'aéroport de N'Djamena. Quand on a intercepté M. Abdourahmane Gueye et Demba Gaye, dont la sœur est dans la salle, Demba Gaye était le seul soutien de famille qui s'était exilé pour aider sa famille, installée à Bambey, dans le Baoul. Et le rapport qui figure dans votre dossier à la cote D 20-32-66. Et le rapport que les services de l'aéroport ont fait à la DDS dit, nous venons d'intercepter deux Sénégalais, nous vous informons de l'arrivée ce jour 23 mars 1987 dans la soirée par vol spécial de l'armée française en provenance de Bangui, deux orfèvres sénégalais. Et in fine, de notre côté, il n'y a pas des éléments qui les compromettent. Ça, c'est l'aéroport qui dit ça. Envoie à la DDS, mais dit, on n'a pas d'éléments qui les compromettent. Mais si on vous fait donne un rapport de cette nature, de pauvres bijoutiers qui devaient livrer des marchandises à des militaires français, vous les interceptez. Dans un premier temps, vous soupçonnez que c'est des espions. Mais après enquête, on dit à la DDS, il n'y a aucun élément qui le compromet. Mais ils ont été détenus à la DDS jusqu'à ce que mort de Demba Gaye s'en suive. Et vous dites que le concepteur de la DDS n'est en rien responsable. Alors que cette machine, c'est lui qui l'a conçue telle. Gardée volontairement. Si la détention arbitraire a été érigée en crime contre l'humanité, c'est parce que la liberté est sacrée. Elle est en l'homme ce que la pesanteur est au corps, la liberté. Et voilà deux Sénégalais dont on dit qu'il n'y a aucun élément compromettant, qu'on garde à la DDS. Il a fallu qu'un président de la République suspende à ses tâches régaliennes au Sénégal pour s'occuper de la libération de l'un. Et l'autre décède. Et on nous dit, selon le certificat de gens de mort, par je ne sais pas... Je ne sais quelle pathologie, alors que c'est le mille des oiseaux. Il est mort de ça. Il n'y a aucune autre cause. Monsieur, vous avez Awa Birahim. Awa Birahim a été arrêté parce que sa mère, on cherchait sa mère, on ne l'a pas trouvée. Elle était à l'école. Nous avons tous des filles. Elle a 12 ans, 13 ans. On l'arrête, on lui dit... On ne vous laissera partir tant que votre maman ne se présente. Et on la confie au commissariat central de N'Djamena. Pendant 2 ans, une mineure laissée sur la main courante du commissariat central pendant 2 ans. Au moment où ses amis,
ses camarades d'âge vont à l'école. Et sa maman, après avoir attendu 2 ans, répond au sentiment filial, se présente. Et le jour où sa maman se présente, elle saute. Je vais être libérée, ma maman est venue, j'étais en otage. Les locaux, non, on l'a déféré aux locaux. Toutes les prisons, et on la déporte à Ouadidoum. Et elle est violée chaque nuit. Vous l'avez vu à la barre. Quel homme résisterait à cette dame à l'époque, 14 ans. Mais ça, c'est des choses qu'aucune âme sensible ne peut tolérer, monsieur Bien. Et c'est pourquoi quand on dit qu'on n'a rien fait au Tchad, mais on se pose des problèmes. C'est des choses que tout le monde doit aujourd'hui décrier pour leur non-réitération. On n'a pas le droit de faire ces choses. Et vous avez le docteur Naour. On l'appelle au chevet de Idriss Meskine. À l'époque, étant sénégalais, on entendait à la radio le jeune ministre des Affaires étrangères du Tchad, Idriss Meskine. Et le docteur va au chevet, il fait une prescription, je demande que monsieur Idriss Meskine soit évacué. À l'interne, on aurait parlé de non-assistance à personne en danger. Mais un responsable de la République, ministre numéro 2 de la République, qui doit décider de son évacuation, le président Abré, il refuse. Il décède. Et non seulement il décède, mais évidemment ses partisans se rebellent et s'ensuit cette répression meurtrière contre les Adjaraïs. J'ai parlé du cas de Romain, qui était le pilote de M. Essène Abré, qui vous a dit, je l'ai sauvé quelque part dans le désert, alors que le Gunt avançait, je l'ai pris en l'envol dans mon avion. Simplement parce que l'avion s'est embourbé, on le détient, on l'envoie dans la grotte, à Birdey, grotte où était détenue Madame Claus. Et ça, c'est des choses, monsieur, qui n'ont pas été inventées. Et tout ça, c'est des crimes contre l'humanité. Le fait de soumettre un enfant à un tel traitement. Et ça, c'est en série. Vous avez la fille Azina Sakho. Elle a été détenue en otage parce que sa mère, Hadji Mirami, ne s'était pas présentée. Et bien que sa mère se soit présentée, elle a été toujours détenue. Et elle est décédée parce qu'elle n'a pas pu résister, ou en tout cas aux actes de torture. Et vous avez Ressa, le seul dont la défense a accepté de faire citer. Tout au début de ce procès, nous avons reçu des correspondances de la part de M. le procureur de la République qui a demandé aux avocats des parties civiles, aux avocats de la défense, de leur donner la liste de leurs témoins. C'est pourquoi quand on dit qu'il n'y a que des témoins à Sarge, mais tout ce que le parquet peut faire, c'est de demander à la défense, produisez vos témoins. Ressa est le seul témoin qui a été produit. Mais, monsieur Bien, la notion de témoin à Sarge et à Desarge n'existe pas. Un témoin, il prête serment devant votre barre de dire la vérité. Certains ont comparu. Quand on leur a dit, avez-vous connaissance de cela, ils ont dit non. Mais ce qu'ils savent, ils le disent. Donc, il n'y a pas de témoin à Sarge ou à Desarge. La notion de preuve testimoniale est une donnée permanente de la justice pénale. Et celui qui peut éclairer un juge a l'obligation de le faire si cette personne est citée. Mais on salue quand même que la défense ait cité M. Ressa. Et quand M. Ressa a déposé devant votre barre et dans son procès verbal, je vous cite pêle-mêle, comment les ordres étaient-ils transmis au sein de l'armée? Les ordres ne se passaient pas forcément par la voie hiérarchique. Par exemple, le président Abré pouvait donner directement des ordres jusqu'aux plus petites unités à la tête desquelles il avait placé ses hommes de confiance. Et ça, c'est le témoin à Desarge. Ça dit que le témoin à Desarge, parce que même étant à Desarge, de par l'appellation, on ne peut pas dire ce qui a été. On ne peut que dire la vérité. Et il continue. Il donnait des ordres par des moyens de télécommunication à portée lointaine. Donc, M. Hissène Abré, de par son palais, pouvait donner à n'importe quelle unité qui se trouvait sur le territoire des ordres.
Avait-il l'habitude de diriger les opérations militaires? Il répond, effectivement, il était en tête des opérations, il prenait les devants. D'ailleurs, quand il allait vers le terrain, tous les fonctionnaires de haut rang, ministres, directeurs de services, combattants, qui l'ont porté au pouvoir, quittaient leur poste pour reprendre les armes et défendre le pays. Et ça, c'est récent, le témoignage de Sarge. Monsieur Blanc, donc quand on vous dit qu'il donnait des ordres, nous sommes dans le cadre de la responsabilité de l'entreprise commune criminelle, parce qu'il donne des ordres, d'autres exécutent. Nous sommes comme dans le cadre au niveau interne de l'association de malfaiteurs, parce que chacun a sa part d'opérationnalité. Quand on vous dit qu'il était supérieur hiérarchique, mais c'est parce que, même dans le Sud, en dehors du fait que c'est lui qui a envoyé ses hommes, les Fadil, Zakaria Bedey, cette commission de pacification, qui était en réalité une commission de tuer, mais c'est lui qui les envoie. Et Fadil disait, moi je ne réponds que de M. Hissène Habré. Mais même dans les cas où on tente de dire que M. Habré n'était pas présent, n'était pas au courant, mais il savait que cette mission était là-bas, non pas pour pacifier, mais pour tuer. Et cela résulte même de la déclaration de El Watan qu'il a lui-même faite. Et quand même le journaliste Salengaba a été tué, c'est M. Hissène Habré qui apparaît à la télé pour dire que le traître Salengaba a été mis hors d'état de nuire. Donc aujourd'hui, vous avez tous les éléments du point de vue des infractions. Toutes les preuves vous ont été rapportées. Et rien, en dehors des témoignages, n'émane des victimes. Tout émane même du système, des insiders, des geôliers qui sont là, les Abba Moussa, les Ababaka Torlo. Et même de M. Habré qui dit que oui, j'ai sanctionné. Quel aveu. Dire que j'ai sanctionné, c'est au moins qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. On savait que dans le Sud, on tuait les paysans, on tuait les passeurs. Et quand j'ai énuméré le nombre de docteurs qui ont été tués, je me suis posé des questions. Même en temps de guerre, on épargne le personnel sanitaire, on épargne les enseignants. Mais les hommes d'église étaient les principaux visés, les enseignants étaient les principaux visés, les médecins d'hommes, on les connaît, comme si nous étions des Tchadiens, pour dire la gravité. Et à Nuremberg, quelqu'un disait que le propre du crime de l'humanité, c'est qu'un crime contre l'humanité commis contre quelqu'un devient un crime commis contre tous. Ce serait une erreur de penser aujourd'hui que les seules victimes sont Tchadiennes. Nous sommes tous, de par la potentialité de réitération, l'homme n'est ni bon ni mauvais, disait Karl Marx, mais les conditions dans lesquelles il vit et le contexte peuvent faire de lui un homme bon ou un homme mauvais. Et la vertu de la justice, c'est cette fonction philanthropique, cette fonction de prévention. Et de la même manière que la règle de droit, sur le plan interne, est suspendue, c'est la tête des citoyens pour être dissuasive de toute forme de criminalité au niveau international. Il nous faut cette règle de droit. Fiston, président de la République. Et ça, c'est la quintessence de ce combat que nous avons mené depuis le traité de Versailles, en passant par les tribunaux de Tokyo, Nuremberg, Yougoslavie, Rwanda, Sierra Leone, Liban, Cour pénale internationale, compétence universelle, jusqu'à aujourd'hui, Chambre africaine extraordinaire. Ce serait dommage que cette chaîne soit brisée, que ce processus soit brisé. Il y va de la sécurité juridique des citoyens. Et aujourd'hui, cette règle de l'individualisation de la responsabilité pénale qui veut qu'un Sénégalais puisse être poursuivi par la volonté de Madame le procureur près de la Cour pénale internationale vaudrait qu'un même Sénégalais puisse se prévaloir des dispositions protectrices du droit pénal international, comme les Tchadiens aujourd'hui le réclament. Et ce tribunal est un salut. Ce tribunal doit augurer des perspectives pour l'Afrique, surtout au moment où on décrit une certaine forme de justice pénale internationale, au moment où on revendique la légitimité à juger nous-mêmes. Nous devons montrer que nous sommes capables de juger selon les standards internationaux
mais selon les normes également internationales. C'est pourquoi nous nous sommes fait, monsieur le président, monsieur de la Chambre, le devoir de vous prouver au moindre détail les accusations qui ont été portées contre monsieur Issanabré. Si quelqu'un dans cette salle peut se lever et dire « vous n'avez pas prouvé tel fait », qu'il le dise et nous apportons immédiatement la preuve. Nous avons aujourd'hui le sentiment, et mon confrère William Bourdon, qui va boucler la boucle, se donnera les moyens si omission y avait. Après Jacqueline Moudeina, l'héroïne, celle qui a payé de sa santé, Delphine Lambi, Alain, Georges, moi-même, si une telle omission existait, il se chargerait de la combler. Mais j'ai l'impression aujourd'hui que tout a été dit et qu'il y reviendra le devoir de par sa générosité de nous compléter, de systématiser, de recadrer pour qu'enfin les victimes puissent faire le deuil au soir d'un certain mai prochain pour qu'on sache qu'il n'y aura pas d'oubli, pour qu'un mémorial plus tard puisse être érigé, si telle était la volonté de la Cour, la décision de la Cour, afin que la paix des cœurs puisse revenir. J'avais commencé par Nuremberg. Les puissances alliées avaient retenu le bras de la vengeance. Je veux en terminer par là. La justice n'est pas de la vengeance. Nous cherchons pas vengeance. Nous cherchons simplement justice. Et le rôle de la justice est d'abord un rôle rétributif. Chacun doit payer pour sa dette. Et on ne la voudra pas d'avoir été coupable. Mais si d'aventure cette personne ne payait pas et que le statut de reconnaissance du statut de la victime n'était pas reconnu, la justice ne serait qu'injustice. Je vous remercie. Merci, maître. Monsieur le Président, Messieurs les juges, c'est un double, un triple honneur pour moi de prendre la parole ici. C'est un honneur d'abord parce que je porte la responsabilité de terminer cette magnifique symphonie à plusieurs instruments qu'ont été ces prises de parole successives des avocats de la partie civile, des parties civiles. C'est un fardeau, c'est une peur, c'est un tremblement aussi, c'est une fierté de clôturer cette cérémonie de ceux et de celles derrière moi. Jacqueline Moudéna, Delphine, Lambi et les autres, frères et sœurs en dévouement, frères et sœurs en émotion, pour porter jusqu'à la dernière goutte dans quelques minutes, et je ne vais pas abuser de mon temps, même si j'ai déjà la nostalgie, Monsieur le Président, des moments où vous avez su m'interrompre avec un sourire amical, car je n'épuiserai pas mon temps. Mais je veux aller jusqu'au bout
cette symphonie à plusieurs instruments. Je vais être à la hauteur de cette responsabilité énorme que m'ont confiée mes amis. Car il y a encore des choses à dire. Il y a encore des choses à dire dans ce procès. Tout n'a pas été complètement dit. Il y a encore des choses à dire sur les enjeux de cette procédure. Il y a des choses à dire, bien entendu, aussi, et vous savez que je vais le dire. Il y a des choses à dire sur Issa Labré, sur la façon dont, jusqu'au dernier souffle, jusqu'au dernier crachat, il vous a insulté et méprisé. Car votre responsabilité, ce n'est pas simplement de rendre une décision qui soit d'une pureté académique et scientifique extraordinaire. Votre responsabilité, comme tous les juges de Dakar, de Johannesburg, de Paris, de New York, c'est aussi de dire ce que vous pensez de la façon dont Issa Labré s'est défendu. Fierté, émotion. Et aussi, conscience, Monsieur le Président, Messieurs les juges, conscience de participer à une œuvre collective, une œuvre immense, une œuvre qui fait que chacun apporte ici sa petite pierre, sa contribution à l'inscription. Où ça, Monsieur le Président? Où vous allez l'inscrire? Un mot que vous aimez bien. Au plumitif de l'humanité, voilà. Vous allez inscrire votre décision au plumitif de l'humanité, pas simplement celui de la Chambre de Dakar. Fierté, émotion, conscience. Conscience de servir une œuvre collective où chacun a eu sa part et où personne ne pourra en tirer la moindre gloire, où personne n'aura vocation, car ça serait indécent, à venir chercher quelque laurier que ce soit, où chacun doit avoir à chacun son tribut. Émotion aussi, Monsieur le Président, Messieurs les juges, parce que vous allez magnifiquement rendre hommage à ce que disait Patrick Lumumba. Que disait Patrick Lumumba? Il disait « L'Afrique écrira sa propre histoire au nord et au sud du Sahara, une histoire de dignité et une histoire de gloire. » Oui, vous allez contribuer à écrire cette page de l'histoire de l'Afrique. Et moi qui plaide devant vous, avocat parmi les autres avocats, avocat comme vous êtes juge de l'humanité, avocat un peu de l'humanité, modestement, avec humilité, avocat aujourd'hui devant vous qui n'est ni blanc ni noir. Un avocat qui vient vous dire que je suis heureux, que je suis fier. Je vous le dis tranquillement, avec souveraineté. Qui suis fier de me dire que j'ai participé à cette formidable page de l'histoire où l'Afrique va envoyer un message puissant au monde. Ce message, c'est de dire qu'il n'y a pas de continent qui ait le monopole de l'état de droit, il n'y a pas de continent qui ait le monopole de la justice internationale et que la terre africaine n'est pas une terre qui serait vouée comme l'herbe maléfique au génocide, ni une terre qui serait vouée à l'illégalité ou une terre qui serait vouée à l'impunité. C'est aussi une terre où l'impunité peut être frappée. C'est formidable. Oui, c'est extraordinaire de se le dire. Oui, c'est extraordinaire de lire dans vos yeux aussi cette fierté partagée. Oui, dans ce dialogue invisible qui est le nôtre, depuis tant de mois, je lis aussi cette fierté qui est la vôtre. Et vous avez raison d'être fier. Parce que ce qui se joue ici va avoir des effets sismiques, pédagogiques, immenses pour l'éternité, en Afrique et ailleurs. Alors bien sûr que ce procès, et j'anticipe déjà sur ce que je vais vous dire dans quelques instants, Monsieur le Président, Messieurs les juges, bien sûr que ce procès n'est pas un procès où vous seriez les marionnettes de je ne sais quelle fourbe et sinistre raison d'État. Comme je ne suis pas, moi, le marionnettiste, comme tous les autres, des victimes et des témoins. Nous ne sommes ni vous ni moi les marionnettes ou les marionnettistes de personne.
Ce système de défense sur lequel je reviendrai dans quelques instants voudrait nous faire croire que ce défilé, cette cohorte de témoins et de victimes n'ont été qu'un défilé, une cohorte de petits soldats entraînés le doigt sur la couture du pantalon qu'on aurait transformé en perroquet et en ménate pour servir je ne sais quel agenda politique. Mais sans doute va-t-on nous l'expliquer demain, après-demain, de l'autre côté de la barre. C'est ça la réalité de ce procès. C'est que ce procès a été un modèle de procédure équitable. Et je vous remercie, Monsieur le Président. Je le dis sans flagornerie, vous me connaissez déjà un peu. Je vous remercie de la façon admirable, pédagogique avec laquelle vous avez su tenir les débats. Même si de temps en temps, vous avez su nous houspiller, nous frustrer même. Moi le premier, non, moi le dernier, je me trompe. Mais vous avez su, en tous les cas, accepter, nous faire accepter, oui, qu'il y avait une dimension parfois asymétrique. Et c'était légitime et c'était normal. Je le comprends. Et c'est vrai que, ce faisant, vous avez dit à toute l'opinion publique, sénégalaise, africaine et ailleurs, que ce procès n'était l'otage de personne. Ni de la raison d'État, ni de Human Rights Watch, ni d'aucune ONG, de personne. Comme si on allait oublier ce qu'avait dit Olivier Bercot. Vous vous souvenez, Olivier Bercot, il y a quelques semaines, quelques mois, que j'avais interrogé. Et à la fin de son audition, il nous explique sur une question que je lui pose. Bien sûr que ces milliers de victimes humiliées et éprouvées en terre bosniaque, en terre serbe, en terre rwandaise, en terre cambodgienne, n'ont pu avoir accès aux juges que parce qu'elles ont été escortées, accompagnées par des ONG sans lesquelles l'accès aux juges leur aurait été interdit. Et fustigées, vilipendées, les ONG, c'est comme d'une façon métaphorique vouloir priver à nouveau les victimes d'accès aux juges et à la justice. Alors on peut soliloquer. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec toutes les prises de position. Il peut y avoir un débat. Mais fustiger le rôle des ONG, comme cela a été fait, comme peut-être cela le sera encore, c'est juste prolonger d'une autre façon le rêve d'Issénabré et ce qui est aussi notre cauchemar, c'est-à-dire d'éradiquer de la planète tous ceux qui ont vocation à être les mandataires de la dignité. Le mot dignité dont on sait que depuis longtemps, il n'a jamais été et il ne sera jamais dans le vocabulaire d'Issénabré. Alors évidemment, je n'ai pas de doute, Monsieur le Président, messieurs les juges, sur le fait que votre tâche est immense et votre tâche est complexe et votre tâche est difficile. Pourquoi votre tâche est difficile? Je ne crois pas qu'on vous l'ait dit, mais moi je vous le dis. Pourquoi votre tâche est difficile? Votre tâche est difficile et j'essaie de me mettre un peu à votre place. Votre tâche est difficile d'abord parce que je l'ai vu, je l'ai senti dans vos petites piques, dans vos petites interrogations, et je l'ai apprécié. Vous avez raison de nous avoir rappelé qu'à aucun moment vous n'êtes au service de personne. Il n'y aura pas de justice politiquement correcte ici. Et si, par extraordinaire, je vais aller jusqu'au bout de ma pensée, et si, par extraordinaire, vous deviez acquitter Issénabré sur l'un ou l'autre des crimes, je préfère que vous l'acquittiez, parce que ça sera peut-être le prix d'une justice célébrée et légitime à toute frustration de notre part. Oui, je veux que cette justice soit parfaitement respectée et légitime. Et qui vous fera résister, et je sais que vous allez le faire, à toutes les tentations de je ne sais quelle justice qui aurait comme vocation à répondre de façon complaisante à telle ou telle injonction. C'est le premier dilemme qui n'en est en fait pas un, qui est un faux dilemme. Il y a une deuxième discussion, je vais vite, je ne veux pas trop encombrer les débats, mais il y a une deuxième discussion. Qu'avez-vous dit le 15 septembre, Monsieur le Président? Qu'avez-vous dit? Je crois que peut-être il faudrait que je vous rappelle. Vous voyez, je vous cite, avec plaisir. Je crois que peut-être il faudrait que je vous rappelle que la procédure devant cette chambre a fait l'objet d'une instruction préalable devant un juge d'instruction. Ce n'est pas comme dans les autres juridictions où c'est le procureur qui amène la preuve et c'est uniquement au niveau de la chambre que l'instruction est faite. Ici, l'instruction a déjà été faite, monsieur le témoin a même déjà été entendu par le juge d'instruction.
Donc bon, essayez d'éviter autant que faire se peut, aviez-vous dit, certaines questions qui en fait ne nous apportent pas outre mesure une preuve supplémentaire. Et ici, pourquoi je vous redis cette invitation que vous aviez faite. Je vous la redis parce que je renifle et je ressens, je pressens et j'anticipe sur ce débat que peut-être on va vouloir essayer d'instiller dans quelques minutes, dans quelques heures, et qui voudrait nous faire croire que tous les éléments de preuve qui ont été accumulés pendant des années et des années dans le cadre de l'enquête au Tchad, à Belgique ou ailleurs, devraient être bons pour la poubelle et la poussière, et que ne devraient être sacralisés, ne devraient être considérés comme acceptables et recevables que les preuves provenant de l'instruction d'audience. C'est absurde. C'est évidemment faire une très mauvaise lecture de l'article 414 du Code de procédure pénale du Sénégal, qui est applicable aux tribunaux correctionnels. C'est absurde parce que, évidemment, comme vous l'avez parfaitement rappelé et indiqué, évidemment que l'alchimie qui va être le ferment et le sous-jacent nécessaire de votre décision, celle qui va être inscrite au primitif de l'humanité, cette alchimie, elle va être une infusion de l'ensemble des éléments, discutés ou non, et évidemment des éléments contenus dans le dossier d'instruction, dans l'enquête, comme ceux qui ont résulté de la dynamique de l'instruction d'audience. Des débats juridiques, vous en aurez dans le secret de votre délibéré. Des discussions, vous allez en avoir. Riches, fécondes, fertiles, je vous envie presque. Elles vont être magnifiques, ces discussions entre vous. Où allez-vous mettre le curseur? Responsabilité pénale, personnelle, responsabilité hiérarchique, quand se convertit en crime de guerre, en crime contre l'humanité. Quel plaisir vous allez avoir! C'est immense. Même si je n'ai pas beaucoup de doutes sur le fait que ce qui a prévalu pendant tous ces débats et ce qui va prévaloir à l'heure où va sonner le tocsin, celui qui va annoncer le glas de l'impunité d'Issène-Abré, eh bien c'est évidemment la responsabilité pénale personnelle qui va l'emporter sur toute autre considération, tant il est acquis que cet homme a été au cœur de tout le dispositif de répression, celui qui a humilié son pays pendant tant d'années, celui qui l'a persécuté. Alors évidemment, avant de dire un mot, Monsieur le Président, Messieurs les juges, d'Issène-Abré, de son système de défense, des témoins, quand même, laissez-moi partager avec vous une interrogation. Laissez-moi partager avec vous une interrogation. Vous avez croisé le regard d'Issène-Abré. Vous avez pu attraper sa pupille.
juge avec en mémoire une phrase d'André Malraux que je vais pasticher parce que les citations finalement évoquant les très grands criminels. Je cherche obstinément et inlassablement ce coin de l'âme où se dispute le mal absolu avec la fraternité la plus courageuse. Et cette exploration, ce voyage, évidemment, Hyssen Abré nous l'a interdit parce qu'il se l'interdit à lui-même déjà sans doute depuis si longtemps. Alors la défense, il faut dire un mot sur cette défense. Parce que moi je connais des juges, voyez-vous, qui ne se contentent pas de déclarer coupable. Mais quand l'accusé se moque d'eux, quand l'accusé fait le malin, quand l'accusé essaie de ruser, quand l'accusé multiplie les crachats et le venin partout, ici, en salle d'audience, et avec ses avocats sans robe de couloir, dont je veux dire un mot tout à l'heure, il y a un moment donné où dans votre plume de celui qui va rédiger une décision pour l'histoire de l'humanité, vous allez bien en dire un mot de ce système de défense. Vous allez bien en dire un mot parce que ce système de défense d'abord, monsieur le président, messieurs les juges, il est celui de tous les grands prédateurs de l'humanité. Plus le crime est immense, plus le pouvoir a été immense, plus le déni devient une servitude pour celui dont la responsabilité est recherchée. Le déni, la lâcheté, le mépris deviennent une triple servitude. Cette servitude, c'est ce qui fait que Hyssen Abré fait partie de cette confrérie si rare, si petite et heureusement si étroite, dont ne souhaite pas qu'elle grandisse indéfiniment. C'est-à-dire ceux qui, parce qu'ils risquent le maximum, mentent au maximum. Et je dis à ces avocats qui sont à côté de moi que bravo pour le boulot que vous avez fait. Que ce n'était pas une sinécure. Que c'était bien difficile. Que même si je vais dire un mot de vos écritures, c'était bien difficile de devoir étrier ici la crédibilité des témoins, des victimes, dans les larmes, le sang et la sueur. C'était bien compliqué, oui. Bravo pour ce que vous avez fait. Dans un climat compliqué. Avec des avocats sans robe qui ne sont pas loin de vous. Mais vous, au moins, vous la portez, la robe. Et vous faites honneur à la profession d'avocat. Parce que ces cris d'orfraie que vous avez tous entendus dans les KGB, les halls d'hôtel, ces cris d'orfraie qui fait que, recyclant je ne sais quel un vieux tiers-mondiste, on a voulu Hyssen Abré,
c'est-à-dire d'organiser jusqu'à plus soif, jusqu'à l'extinction, pas de ma voix, jusqu'à l'extinction sa propre victimisation. Et vous, Monsieur le Président, qu'avez-vous fait? Vous avez essayé. Vous avez essayé de rendre hommage à Voltaire. Pourquoi vous avez essayé de rendre hommage à Voltaire? Parce que Voltaire est le dans le monde qui s'est attaché à défendre la dignité, écoutez bien, la dignité de l'accusé contre lui-même, et qui a considéré qu'on pouvait être le pire des prédateurs, que les juges devaient défendre la dignité de l'accusé. Mais comment défendre la dignité, dit Saint-Abré, puisque ce mot a disparu de son vocabulaire et qu'il n'en veut pas? Comment défendre la dignité, dit Saint-Abré, alors qu'il n'est pas digne de la recevoir? Comment défendre la dignité, dit Saint-Abré, en lui imposant des avocats commis d'office, dont les avocats sans robe disent dans les conférences de presse, pardon, chers confrères, ce sont des larbins, interview de mon confrère parisien, des godillons, des complices qui seraient là pour participer à une procédure judiciaire. Ils se feraient les complices d'une condamnation. Donc parfois, défendre la dignité de quelqu'un se heurte d'une façon maléfique au récif, au rocher de la plus grande des perversions, de la plus grande des malédictions, de la plus grande des manipulations. Alors, cette défense qui va et qui a déjà dans ses écritures fait le procès du procès, qui a déjà considéré que vous étiez des juges inéquitables, qui va poursuivre pour la galerie et pour leurs propres petits égos inutiles dont tout le monde se fiche maintenant, qui va continuer à organiser ce petit tintamarre selon lequel la procédure aurait été inéquitable, que les juges auraient instruit uniquement à charge et à décharge. Jusqu'où le ridicule ne tue pas? Jusqu'où la tromperie intellectuelle va aller? Jusqu'où le malaise va nous gagner devant l'énormité de ses boniments et de ses mensonges? Issa Nabré, c'est un peu le patient qui dit à son médecin « Sauvez-moi, administrez-moi ces thérapies qui vont me sauver et qui, au dernier moment, n'en veut pas et fait reproche au médecin de mourir. » Issa Nabré, c'est un homme dont les avocats ont reçu 10-15 missives qui sont là sous mes yeux en leur demandant aux uns et aux autres quels sont les témoins que vous voulez faire entendre à décharge. Il a eu 15 occasions de se défendre et de faire entendre des témoins. Il aurait pu faire citer, je ne sais pas, l'ancien chef des services secrets français, l'ancien chef des services secrets américains, puisqu'il semble que les avocats commis d'office se plaignent du fait que la loi belge n'ait pas été aussi loin qu'elle aurait dû contre Bush et contre Sharon. Vous auriez pu faire un petit colloque tiers-mondiste un peu minuscule à 2 francs CFA qui n'aurait intéressé personne, mais au moins tout ça aurait peut-être eu un début de panache, un début d'élégance. Mais de ceci, évidemment, vous êtes totalement incapable. Vous vous êtes privé des moyens du procès équitable. Issa Nabré, vous avez été le partenaire et vous êtes le partenaire de votre malheur ici. Vous avez organisé de façon cynique, sinon maléfique, ce petit procès en sorcellerie contre vous, Monsieur le Président, Messieurs les juges de la Chambre. Et de ce point de vue, si ce n'est le petit carteron de partisans qui reste comme une espèce de métaphore du règne déchu et heureusement qui est le vôtre, ce procès en inéquité, évidemment, n'a aucune chance de faire succomber quelque conscience que ce soit, et spécialement les vôtres. Mais ce procès, Monsieur le Président, Messieurs les juges, ce procès, ce n'est pas simplement le procès d'Issa Nabré,
C'est devenu, et on le sait déjà depuis quelque temps, le procès des victimes, le procès des parties civiles. Et avant d'en dire un mot, il faut quand même s'interroger deux secondes. Et je n'irai pas plus loin sur le comportement d'Hissène Habré. Parce que moi, je fais partie de ceux qui pensent que le silence qu'il vous oppose est une xième humiliation à l'encontre des victimes et des parties civiles. Le silence qu'il vous oppose est comme l'écho du silence dont il a voulu recouvrir le cri des suppliciés, des dizaines de milliers de suppliciés en terre tchadienne pendant 8 ans. Le masque qu'il vous oppose, on aurait espéré que ce soit le masque de fer, mais le masque de fer, il faut être un peu fier. C'est plutôt un masque mortifère. Son regard qui nous confisque, et je le disais tout à l'heure, ces pupilles dans lesquelles ils ne veulent pas qu'on plonge pour y voir l'écho qui nous fait tous le plus souffrir le plus possible, le plus longtemps possible, c'est-à-dire l'écho de cette face maudite dont il aurait voulu submerger l'humanité. Alors bien sûr, Monsieur le Président, Messieurs les juges, il faut un instant dire deux mots des victimes et des parties civiles, deux mots qui ne seront pas trop. On va assister, et vous avez peut-être déjà lu les écritures prises au bénéfice de la défense, on va assister à une opération formidable de démolition de crédibilité des témoins et des parties civiles, et évidemment, il faut là un instant y répliquer. Il faut un instant y répliquer, sachant qu'Hissène Habré, en pilonnant, en essayant de dynamiter la dignité et la crédibilité des parties civiles, prolonge ce qu'il a fait après avoir tué ses frères, ses enfants, ses citoyens. Il veut maintenant tuer la crédibilité des survivants. Et pour tuer la crédibilité des survivants, il vous demande d'oblitérer, il vous demande d'escamoter, il nous demande d'escamoter deux choses essentielles. Depuis quand, quand on est victime de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre, il faudrait se greffer dans le cerveau un ordinateur qui fait qu'on serait capable de dérouler le même récit de façon linéaire, de A jusqu'à Z, du premier procès verbal jusqu'au dernier. Depuis quand quelqu'un qui a souffert dans sa chair, dans son sang, qui ne maîtrise pas la langue, qui parle par le truchement d'un traducteur, qui est intimidé, qui a peur, qui n'a jamais voyagé, qui souffre encore, qui n'a pas été soigné, depuis quand ses victimes et ses témoins seraient obligés, seraient interdites parfois d'approximation ou d'hésitation. C'est toute la jurisprudence. Vous le savez, vous la connaissez mieux que moi. Du tribunal pour le Rwanda, du tribunal pour l'ex-Yougoslavie, dans l'affaire Kunarak, la chambre de première instance, a relativisé l'impact de différentes contradictions en argumentant la situation étant traumatisante, les témoins ne peuvent se souvenir des moindres détails. La détention de personnes pendant une certaine durée, sans référence à une date, rend la rémémoration difficile. Les discordances mineures ne décrédibilisent pas un témoin dès lors que les faits incriminés sont relatés avec suffisamment de précision. L'impact de ces divergences sur la crédibilité du témoin s'apprécie au cas par cas. Cette jurisprudence, qui n'est pas une jurisprudence de mansuétude pour les victimes, mais qui est une jurisprudence de bon sens, et qui fait qu'on ne peut pas demander à un Bichara, à un Gambier, de faire le même récit mot à mot, et on se souvient les uns et les autres. Il y a encore quelques mois, quand vous étiez là aux aguets, au coin du bois, c'était de bonne guerre. Même si on a trouvé que vous alliez quand même parfois un peu loin, et je pense que vous le savez bien, c'était de bonne guerre, comme là, comme des chats, à essayer de vous agripper et d'essayer de chipper un petit bout, un millimètre de contradiction et d'hésitation pour tout d'un coup jeter dans le bûcher ces témoins dont vous savez qu'ils vont être le témoin, qui vont naufrager la culpabilité de votre client. Pauvre Bichara! Qui peut-être s'est trompé sur le massacre, qui peut-être s'est trompé d'heure. Sur l'heure du transfert, il dit aux environs d'eux,
Il hésite, mais ce n'est pas suffisant pour ne pas être disqualifié. Sur les blessures, on sait qu'il aura deux versions. Et alors ? Et si dans sa souffrance, il a eu peur de ne pas être suffisamment cru ? Et s'il a eu peur de ne pas être crédible ? Vous qui êtes des juges expérimentés, vous savez que parfois des témoins ont tellement peur de ne pas être entendus qu'il peut leur arriver même de bonne foi et sincèrement, ici ou là, un peu, parfois, de rajouter. Et alors ? Tout s'écroule. Le massacre s'écroule. Il n'y a plus personne. Alors que ce massacre a été corroboré, on le sait, l'enlèvement de 150 prisonniers de guerre par plusieurs prisonniers à l'audience, tous ces noms qui sont là, l'oralité des débats n'exige pas que je vous en fasse la lecture. Alors oui, ces témoins sont crédibles. Ce n'est pas simplement une affaire de quantité. Vous qui êtes un juge expérimenté, tous les trois, bien sûr, vous savez que la sincérité ne se gradue pas au volume de larmes qu'on fait tomber sur le micro. Mais qu'il y a une vérité des larmes. Il y a une vérité d'émotion qui ne se trahit jamais. Que vous, vous savez graduer dans votre expérience. Et que si, à la marge, il y a eu dans ces centaines de témoignages, un ou deux ou trois ou quatre, qui a pu se tromper ou qui a pu exagérer, en quoi est-ce que ça vient dynamiter l'énormité des preuves accablantes contre Hissène Habré. Alors, comme si ça ne suffisait pas, dans les écritures prises par mes excellents confrères, et je disais tout à l'heure, quelle sinécure, quel calvaire, quel boulot, peut-être comme une office pour Hissène Habré, mais quel moment pour vous aussi, quand même. Vous en souviendrez toute votre vie, comme moi, c'est un point commun que nous avons, n'est-ce pas ? Mais ce boulot vous a conduit à une défense contrainte, une défense à votre corps défendant, une défense malgré vous, vous savez, cette défense où les avocats sont obligés d'aller aussi loin, plus loin parfois que leur conscience ne leur permettrait de le faire, pour servir le mandat qui est le leur, ce dilemme de l'avocat structurel que nous connaissons tous. Et ce dilemme, cette contradiction vous a conduit quand même à quelques dérapages sévères dans vos écritures, dont il faut maintenant dire quelques mots. Ce dérapage sévère, ces dérapages, vous n'avez pas besoin de mon pardon, ni de mon indulgence, mais vous ne l'apprendrez peut-être pas d'ailleurs. Mais ce dérapage sévère, je suis obligé un peu durement de le stigmatiser. D'abord, il faut quand même, vous n'étiez pas obligé dans vos écritures, vous n'étiez pas obligé, et vous ne serez pas obligé de plaider qu'Hissène Habré a été un bienfaiteur de l'humanité. Vous ne serez pas obligé de plaider qu'Hissène Habré a été le pacificateur du Sud. Vous ne serez pas obligé de plaider le fait qu'Hissène Habré a amélioré la détention et le sort des prisonniers en construisant des nouvelles prisons. Ceci est quand même au-delà de ce qui est dissible et acceptable. Et puis, ce que je regrette le plus, et là je vous demande un instant d'attention parce que ce que vous avez écrit est terrible. Je lis quatre lignes. Page 17. N'en déplaise aux détracteurs du président Habré. Parce que vous êtes obligé de parler de votre client comme étant le président Habré. Moi je trouve qu'il n'y a qu'un seul président ici, c'est vous monsieur. N'en déplaise aux détracteurs du président Habré, le Tchad était une république et l'on ne peut valablement reprocher à ses services de sécurité de procéder à l'arrestation des citoyens qui en marge de toute légalité. Vous allez expliquer que les partis civils sont des criminels. Vous allez expliquer que ceux que nous défendons sont des délinquants. C'est bien de ça dont il s'agit. Mais c'est bien de ça dont il s'agit malheureusement parce qu'il faut aller plus loin. Et vous le dites plus loin encore et de façon pire encore. Les autres membres de la communauté Zagawa qui n'ont commis aucune infraction n'ont jamais été inquiétés. Ah bon ? Parce que ceux qui ont été inquiétés, massacrés, torturés, ils le méritaient. C'est ça que vous allez plaider, c'est ça que votre plume vous a dit. Vous répliquerez, vous répliquerez, vous répliquerez. Et puis plus loin, page 46. Écoutez bien ce que je vais dire. Écoutez bien. C'est pas du tout des attaques personnelles. Non, non. C'est les écritures. Nous ne l'admettrons pas, M.
Monsieur le Président. C'est des écritures. Je termine, je termine ma lecture. Qu'il cesse de bourdonner. Qu'il cesse de bourdonner à nos oreilles. Maître Bourdon, cessez de bourdonner à nos oreilles. Écoutez, le vol du bourdon n'est pas terminé, donc je vais le continuer. Qu'il faut rappeler, page 46, qu'il faut rappeler en droit que la nécessité impérieuse de préserver l'ordre, c'est vos écrits, vous assumez. Qu'il faut rappeler en droit que la nécessité impérieuse de préserver l'ordre public, l'intégrité du territoire et la pérennité des institutions commandait à l'État du Tchad. Vous l'avez écrit, assumé. Et à ses services de police de parer au péril dans ce domaine des crimes contre l'autorité de l'État et la paix publique, matière où la prévention est constituée dès que la résolution criminelle est arrêtée. Cette résolution criminelle qui a donc été celle qui inspirait toutes les parties civiles et tous nos clients. Voilà la réalité de ces écrits. Je comprends que ça vous gêne. Et puis vous écrivez aussi à propos des principaux responsables de la DDS, Younous Saleh, Mamad Djibrine, qui ne pouvaient que charger M. le Président Abré pour s'exonérer de toute responsabilité pénale, faisant plus que suggérer d'ailleurs qu'il y aurait eu je ne sais quel troc, quelques marchés. Mais s'il y a eu un marché avec ces hommes, c'est particulièrement réussi, ils ont pris perpétuité. Alors pour ne pas plus vous indisposer, je ne vais pas lire ce que vous avez écrit sur Khadija, sur le viol, tellement ça dépasse tout entendement, toute pudeur, tout respect. Vous voyez, vous avez bien fait de m'interrompre, parce que je comptais le lire. Ça aurait été inaudible, inacceptable. Vous lirez pages 24 et 25 de ces écritures. Vous lirez pages 24 et 25 de ces écritures, les spéculations sur un décor dont mes confrères sont tellement prédictifs qu'ils disent qu'ils n'étaient pas capables, ce décor, d'accueillir la scène sexuelle décrite par Mme Khadija. Faut-il en dire plus? Mais la cerise sur le gâteau de ce mémoire. Et j'en ai terminé dans peu de temps. La cerise sur le gâteau. C'est ce qui est dit sur Idriss Déby. Oui. Pour votre défense. Attendez, monsieur la défense des parties civiles. Monsieur le Président, je pense que la parole est libre. Vous oui, savez ça. Elle est libre. Elle est libre. Voilà. La parole de l'avocat est libre. Certainement. Voilà. Mais... Non. La parole de l'avocat est libre. Mais ce qui rentre dans le cadre... Je plaide ce que je veux, monsieur le Président. Oui, mais maître, ne vous attaquez pas. Je n'attaque pas. Je lis. Est-ce que j'ai fait autre chose que lire? Oui. Est-ce que j'ai pas le droit de commenter les écritures de mon contradicteur? Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Mais c'est moi qui juge ce qui est nécessaire ou pas, c'est pas vous. C'est moi. Maître, la parole est libre. Maître. L'avocat est libre. Certainement. Bon. Mais sans... L'avocat est libre. L'avocat sans est libre. Pour autant l'avocat attaquer... est libre. Oui, d'accord. Là, l'avocat est libre. Soit. C'est mon devoir de critiquer les arguments qui vont vous être exposés. Est-ce que c'est pas le devoir de l'avocat d'anticiper sur les arguments de son contradicteur? Vous qui êtes un homme expérimenté, oui ou non? Maître, je voudrais qu'on se comprenne. Je vous comprends très bien. Bien. Donc, je vous dis, cadre, je plaide librement. Non, vous ne pouvez pas plaider librement. Je plaide comment alors? Vous plaidez dans le cadre de ce qui est prescrit, non porter atteinte aux autres parties. C'est ce que je vous demande. Que vous partez, attendez, voilà. Monsieur Président, vous dis, il y a des écritures en défense qui ont été prises. Ces écritures, elles nous ont été communiquées. C'est mon droit et mon devoir d'avocat de les commenter. C'est tout. Et donc, je termine mes commentaires. Et dans ces écritures, et je termine là-dessus, dans ces écritures, Issel Abré, pour s'exonérer de sa responsabilité pénale, je suis sûr que ça va vous intéresser ce que je vais vous dire, il s'élaborait pour s'exonérer de sa responsabilité pénale, se défausse sur Idriss Déby, sur un certain nombre de collaborateurs, mais notamment sur Idriss Déby. Est-ce que vous ne croyez pas quand même que c'est une forme d'aveu en creux? Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a là quelque chose d'un peu singulier, de dire « je suis innocent, je ne suis coupable de rien, mais celui qui a occupé certaines fonctions pendant une certaine période pourrait être coupable de tout, mais s'il est coupable de tout... » C'est évidemment la reconnaissance en creux qu'il est coupable
de l'essentiel. Voilà, juste pour votre réflexion, pensez-y. La responsabilité, dit Saint-Amré, est une responsabilité qui est exceptionnellement documentée. La responsabilité, dit Saint-Amré, est une responsabilité d'une exceptionnelle diversité. La responsabilité, dit Saint-Amré, est une responsabilité d'une exceptionnelle durée. C'est ce qui en fait un criminel hors norme. C'est ce qui en fait un criminel qui, après avoir été dans la toute-puissance absolue, gît aujourd'hui dans le paquet d'impuissance qui ne cesse de nous renvoyer. C'est un criminel hors norme aussi. Et je fais écho aux explications d'Alain Werner. Je fais écho. Parce qu'il est bien au-delà d'un criminel de bureau. Parce qu'il n'est pas Pinochet installé dans son palais présidentiel à envoyer des téléx à ses généraux pour organiser la torture. Parce qu'il est le concepteur, le chef d'orchestre, il encourage, il initie, il planifie, il donne des ordres et il met la main à la pâte. Il met la main à la pâte de la torture, il met la main à la pâte du viol. Il est à la fois criminel de bureau et très grand bourreau. Il est partout et ailleurs. Il est l'auteur intellectuel et l'exécutant. Et c'est ce qui fait, je vous demande de vous en souvenir, un criminel absolument hors norme. Et c'est ce qui fait qu'il n'est pas un Eichmann tchadien. Eichmann, dont vous savez, parce que vous êtes un homme cultivé, qu'il a été décrit comme la banalité du mal. Et derrière la banalité du mal, disait Hannah Arendt, il y a ce mélange de lâcheté, de conformisme et de routine. Il n'est ni dans la routine, ni dans la lâcheté, ou plutôt dans l'hyperlâcheté, ni dans le conformisme. Il est dans l'organisation criminelle où se mêle le pire des archaïsmes avec la plus grande des sophistications. Voilà la réalité de la responsabilité pénale, dit Saint-Amré. Cette responsabilité pénale qui explique aussi les motifs absurdes d'arrestation. Ngama, Nigobert, Rigobert qui aurait été trouvé en possession d'une photo de Kadhafi. Fakid, Riss Mahamat, arrêté le 30 novembre 1984 pour maraboutage au compte de l'ennemi. Et il y en a des tonnes de ces éléments qui montrent à quel point des hommes ont vécu quelque chose qui ressemblait à une forme de petite contrefaçon, du procès kafkaïen, vous savez, où le juge dit à l'homme « Mais tu es coupable ?» Mais tu es coupable. Mais je ne sais pas, moi, de quoi je suis coupable, monsieur le juge, mais tu es coupable de quelque chose, ah bon ? Mais de rien, de rien. Eh bien, si tu es coupable de rien, c'est que tu es coupable de tout. La réalité de cet empire de la terreur, elle est là. Elle est inscrite dans tous ces procès-verbaux. Elle résulte du fait que pendant l'instruction ont été auditionnées 2500 personnes, approximativement 750 victimes directes, 1930 victimes indirectes. Pendant l'audience, 77 victimes. 16 témoins experts, alors que s'agissant des victimes directes décédées pendant l'instruction, on sait qu'elles ont été aussi d'un nombre significatif. Je vais conclure. J'avais rêvé que vous m'interrompriez pas, voyez-vous, en me disant... Je n'ai pas l'intention de vous... Non, mais je vous dis ça. Je vous dis ça dans un sourire amical. J'avais rêvé que vous m'interrompriez pas, vous l'avez quand même fait, parce que... Vous trouvez que ma critique était trop dure à l'égard des écrits des avocats de la défense. Je le regrette. Je vous dis, je le regrette. C'est pas très grave. On oubliera l'essentiel et le meilleur de cette audience, hein, rassurez-vous. Mais je le regrette parce que ce que vous allez entendre dans 48 heures sur les victimes et les parties civiles, je vous assure, ça va pas être piqué des vers. Et ça va être d'une grande dureté. Donc souvenez-vous-en et souvenez-vous bien de ce que je vous ai dit. Alors, je disais que ce n'était pas un Eichmann tchadien, parce que l'Eichmann tchadien, c'était la routine, le conformisme, il était au centre, au cœur de tout l'appareil de terreur, de son organisation. Je vous disais aussi, Monsieur le Président, Messieurs les juges, je vous disais aussi, je reviens sur mes pieds, je vous disais aussi que ce procès était, vous le savez, une première. Première en terre africaine.
du procès d'un chef d'État africain pour des crimes commis en Afrique, avec le concours de beaucoup d'États et le soutien de la communauté internationale. Ébauche d'un autre fragment de la justice pour l'humanité. Que ce procès, c'était le procès d'un homme qui va emporter avec lui dans son sillage l'irréductible mystère de son crime. Ce mystère que lui seul côtoie. Ce procès, c'était aussi un procès qui a permis aux victimes, aux parties civiles, de retrouver un bout de leur dignité perdue. Et je veux rendre hommage, au moment où s'approche le crépuscule de mes explications, je veux rendre hommage ici à toutes les parties civiles que j'ai eu l'honneur avec mes amis de défendre. Je veux rendre hommage aux sans-voix, aux anonymes. Je veux rendre hommage aussi parce que nous sommes les avocats d'outre-tombe de tous ceux qui sont morts. Je veux rendre hommage à Souleymane Guenguen, l'avant-gardiste, celui qui a porté le drapeau de ce procès avec tellement de vigueur et de force. Je veux rendre hommage à mes amis Clément Gay. Et je veux rendre hommage, évidemment, à Jacqueline, la mère courage. La mère courage, celle qui a accompagné avec tellement de vaillance au prix d'une immense précarité, de tant de difficultés quand même, parce que, vous savez, accompagner toutes ces victimes, ces parties civiles, c'est un chemin de croix, c'est difficile, c'est douloureux. Bravo Jacqueline, vous aussi, bien sûr, Delphine Lamby, quand même. C'est une fierté pour moi d'avoir été à vos côtés. C'est une fierté pour moi, je me tourne vers Gay et les autres, de vous avoir accompagné. C'est une fierté pour moi, puisque je parlais du crépuscule, d'espérer que votre décision va être le début aussi d'un espoir pour l'humanité. D'un espoir qui fait. D'un espoir qui fait. Que vous illustrerez magnifiquement ce qu'un poète français disait, ce n'est qu'au prix d'une ardente patience que nous pourrons conquérir la cité splendide qui donnera la lumière, la justice et la dignité à tous les hommes. Ainsi la poésie n'aura pas chanté en vain, mais ainsi les juges n'auront pas écrit en vain, si nous n'aurons pas plaidé en vain. Oui, il y a dans cette musique symphonique du juge, de l'avocat, de la victime, mais de vous aussi, quelque chose qui participe à cette décision, Monsieur le Président, Messieurs les juges, à cette décision dont je sais qu'elle va être excellente, dont je sais que vous allez la soigner au trébuchet de votre conscience et de votre expérience. Cette décision, puisque j'évoquais les voix d'outre-tombe, cette décision, Monsieur le Président, Messieurs les juges, qui, alors que nous serons morts, sera commentée demain, dans 30 ans, dans 40 ans, dans les bibliothèques du monde entier, comme ayant été un acte fondateur, un acte de souveraineté en Afrique pour l'humanité, de la justice pénale internationale. Et en écrivant cette décision au primitif de l'humanité, vous nous permettrez, et vous permettrez aux futures générations, de répondre à cette supplique, à cette sommation de France Fanon, qui nous invite tous, chaque fois que c'est possible, à restaurer la dignité de l'esprit et à s'opposer à toute forme de servitude quand cela frappe son semblable. Votre tâche est immense. On vous fait une confiance absolue. Au plus mutif de l'humanité, je sais, nous savons déjà maintenant que vous allez l'écrire avec l'encre de l'excellence. La Chambre qui vous remercie. Bien.
Bien, c'est le parquet en principe à qui revient le tour pour le réquisitoire. Mais nous pensons que c'est plutôt demain que c'est plutôt demain que nous allons demander au parquet d'intervenir. Ce soir, nous clôturons donc l'intervention, les plaidoiries des parties civiles. Et nous pouvons donc lever l'audience à cette heure-ci. Et demain, à 9h, commencer avec le réquisitoire du parquet général. Monsieur le procureur, c'est ainsi que c'est conçu, non? On se donne rendez-vous demain à 9h. Merci. Bien, donc, l'audience est suspendue jusqu'à demain à 9h.